que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo de 2017. Donc, les gars, je vous souhaite une bonne santé et une bonne année. Les meilleurs voeux. Serge le dit un peu en retard, mais mieux en retard que jamais. Et donc, pour cette première vidéo de 2017, je vais vous faire un top 7 de mes plus beaux buts sur FIFA 17. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo de ce genre, mais de mes plus beaux buts sur FIFA 15, vous étiez nombreux à m'en demander une autre et ça vous a plu. Du coup, les gars, je me suis dit, si ça vous plaît, eh bien, pourquoi ne pas vous en proposer une autre sur ma chaîne. Donc, les gars, voilà, le moment est arrivé. J'espère que ça va vous plaire. Un top 7, c'est pas comment, voilà, il y a pratiquement personne qui fait des top 7, du coup, je sais même pas pourquoi j'ai fait un top 7, voilà. J'espère que les buts vont vous plaire. Après, bon, je suis pas un pro, je le répète, je fais de mon mieux, j'essaye de marquer un maximum de buts, surtout des buts assez beaux pour vous proposer un contenu assez divers et varié. Les gars, j'espère que ça va vous plaire. Du fond du cœur, si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un petit like et de me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous laisse avec les actions. C'est parti. Et pour la 7ème position de mon classement, ça va être le but le moins beau. En même temps, si c'est à la 7ème position, ça va pas être le plus beau. Mais en tout cas, les gars, je trouve qu'il est assez stylé. C'est pour ça que je l'ai mis à dans mon classement, tout simplement. Beau ciseau, je vous en dis pas plus. Regardez, en tout cas, Matin, il a géré sur cette action. Je vous laisse voir. Un bon ballon d'attaque. L'occasion, ils ont retrouvé leur morale, hein, plus qu'un but pour arracher le match nul. On voit ce but ralenti, elle peut lui remarquer de sa carrière. Hein. Il était où le gardien arrivé là, quand même à ce niveau. Et les gars, maintenant on se retrouve pour la 6ème position. Magnifique but d'environ 30 mètres du pied droit de Christian Tello. Les gars, j'espère que vous allez apprécier ce but. En tout cas, moi, je le kiffe. Regardez ça. Il donne son ballon. Il fait tourner en attendant une brèche dans cette défense. Attention à la frappe. Et c'est but. Et oui, les voilà qui prennent l'avantage. Et maintenant, les gars, on se retrouve pour la 5ème position. Encore une fois, c'est un magnifique but de la part de Mata avec le Manchester United. Donc les gars, c'est une lucarne d'environ 30 mètres. J'ai kiffé, c'est pour ça que je l'ai mis à la 5ème position. Et j'espère que vous allez aussi kiffer ce but. Je vous laisse voir. Avec un tir. Et il marque. Les joueurs qui sont en train d'aller la chercher, cette montée. Et ils ne veulent pas attendre plus longtemps. Ils la veulent aujourd'hui. Ah, ils peuvent se rassurer et c'est bien parti pour ce soir aujourd'hui. Maintenant, les gars, on se retrouve pour la 4ème position. Au début de la vidéo, j'ai oublié de vous préciser que tous les buts que je mets dans ce top 7 ou dans le top 5 que j'avais mis précédemment sont des buts réalisés en ligne. Peu importe si en fut champion, en ultimate team ou en saison, tout simplement, on s'en fiche. C'est tout simplement des buts inscrits en ligne contre des vrais joueurs et donc contre la console. Mais ce but, je l'ai inscrit en mode aventure avec Alex Hunter. Du coup, c'est pas un but que j'ai inscrit en ligne, mais j'ai joué contre contre la console qui était en mode champion. Du coup, voilà, c'est une catégorie assez élevée et tout simplement la console joue très très bien en face. Du coup, c'est assez difficile de marquer des buts, mais voilà, je voulais quand même le remettre car le but est juste magnifique de ma part. Franchement, je trouve que c'est mon plus beau but du mode aventure. Du coup, je pense qu'il mérite d'être dans mon classement. C'est un petit peu lent, mais je vous laisse regarder ça. Et c'est la 4ème position, mais ensuite ça sera du lourd et en mode en ligne. Je vous le promets, regardez mieux jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez kiffer. Je vous laisse voir le décalage qui va sans doute venir. Hunter. Oh, le but! Ils prennent l'avantage grâce à ce but. Et maintenant, les gars, on rentre sur le podium car nous sommes à la 3ème position. Un magnifique tir de Gary Medel. Vous allez voir, pile dans la lucarne, elle tape le poteau à la balle. Avant de rentrer dans les cages, il est juste magnifique, je le kiffe, c'est pour ça que je l'ai mis à la 3ème position. Mais la première et la 2ème, ça sera encore mieux. Les gars, je vous laisse mater, c'est juste magnifique.
Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Il prend sa chance. Et le but! Eh oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. Et ce ballon qui vient toucher le poteau avant d'entrer. Mettez-vous un petit cruel parfois le football. Et voilà les gars, nous sommes déjà à la deuxième position. Et c'est un but extraordinaire de la part de Pogba, un piqué. Vous allez voir, j'adore les piqués, c'est quelque chose que j'adore à faire. Je ne marque pas toujours, mais ce piqué, il est juste d'une beauté. Mais vous allez voir, il est parfait, parfait. C'est un Pogba, vous allez voir, régalez-vous. Le gardien qui va essayer de s'interposer, il est Paul Pogba. Et le but, ce but est important. Il les relance dans ce match et donc dans la course au titre, Pierre. Ah mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Et les gars, on se retrouve pour la première position. C'est juste un but magnifique marqué avec Zlatan Ibrahimovic. Je sais pas du tout comment j'ai fait, je sais même pas comment ça s'appelle. L'action, elle est magnifique. Passe, 2-3 passes, ça marque. Au calme, vous allez voir qu'à la fin, même le goal, il fauche Marcelo. C'est juste magnifique, c'est beau. Moi, je vous laisse avec cette action. Je vous dis ciao, ciao. J'espère que ce top 7 de mes plus beaux buts jusqu'à présent sur FIFA 17 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher et de lâcher un petit like et de me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Et moi, je vous dis ciao, ciao. Ouais, ça, c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Attention, Ibrahimovic, le but. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui.